Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un pile parce qu'avec nous sur télévision nationale d'Haïti, dans le sens, un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Là, on a prêt à parler sous le dossier ancien directeur général police nationale, là, Godson Aurelius. On va la tomber week-end passé avec arrestation et inculpation. Dossier trafic d'armes illégales. Qui s'est dossier qui s'est reproché Godson Aurelius et à qui niveau dossier a avancé. Et c'est autant de points qu'on va regarder matin. Hein. Avec avocat et une avocat en CDGA, M. Eugène Pierre-Louis, qui a accepté de répondre à une question télévision nationale. Ici, là, on va parler sous dessus et dessous de ce ça, pour même capable de mieux comprendre qui ça dossier a été exactement. M. Pierre-Louis, merci en pile, parce qu'on va faire exercice avec nous matin. Merci, M. Lindo, et m'a salué tous les techniciens, caméramans qui sont là, m'a salué direction télévision nationale. Et pour l'opportunité que nous avons, ben je dis, pour nous capables de porter un éclairage autour du dossier de l'ex-DGPNH, M. Godson Aurelius, qui connaît à des barreaux. Oui, qui ça va là? Qui ça va reprocher, M. Aurelius? Bon, je ne pas attaquer. Jusqu'à présent, moi, comme avocat, M. Godson Aurelius, je ne pas dire clairement ça va reprocher. Ça va reprocher là, alors. Ça va reprocher là, au cas où elle a un mandat. De dépôt juge là-bas, de mettre des chefs d'accusation, des chefs d'inculpation là-dedans. Ça, c'est des notions juridiques, les crimes transnationales et trafic illicite de stupéfiants et des dames. Ça, c'est des termes juridiques qui n'ont pas de pénal là. Ce n'est pas de ça qu'il y a eu qu'il peut moun directement. Il y a eu qu'il peut moun de fait. Fait, c'est accueillir, mais qui acte opposé. Ou te tire en roche, c'est un fait. Ou est-ce que ou quand c'était ton monde, ou quand son caméra, c'est un fait. Qu'on y a la loi, ou qu'on regarde la loi, pour voir qui ça la loi dit concernant son fait. L'élément légal, c'est-à-dire que comment la loi qualifie. Mais l'homme était directement du trafic illicite de stupéfiants et d'armes à feu, de malfaiteurs, c'est des concepts juridiques. Mais fait, ça y est. Qui sont reprochés, qui ça me fait? Justement, ça peut faut nous passer, faut passer de fait, yo, avant d'arriver dans le droit. Mais il y a un gars qui a un acte juridique, là, bien, mais ça y est. Non, il passe à reprocher. C'est fait, yo, reproché. Qu'on a technicien, juge, avocat pour le qualifier, fait yo. Au moins, même pendant ma parole voilà, comme avocat, M. Godson Aurelius. Et ma avocat, dans ça, nous sommes toujours avocat, depuis longtemps, fait des années, depuis ma avocat familial, depuis ma avocat, pour tout dossier familial, personnel, j'ai avocat. Donc, fait yo, juge, là, pourquoi j'aime porter fait yo à disposition, ni moi-même. Même cadeau, et en, qui s'est fait dans le dossier, ça, depuis le moment. Tortellus family. Ça fait deuxième comparution jusqu'à vendredi dernier, l'arrestation. Non? Et en novembre, 20 novembre précisément, 2017, et M. Godson Aurelius recevoir des juges Luméran et Dionel, une invitation à titre de témoin pour vérifier avec certains éléments dans le cadre d'un dossier qu'il a instruit concernant ZAM. Illégal, armes de guerre, t'as importé, importé que des mondes d'affaires arrivés, et c'est mort, non pas c'est mort, en septembre. Et comme déjà. Septembre 2016. Oui, septembre 2016. Mais faut me préciser pour vous que déjà a quitté la police lui-même depuis avril 2016. On a parlé de septembre 2016, mais déjà pas dans la police lui-même depuis avril, 8 avril 2016. Maintenant, comme l'ITDG, l'LTDG, il y a un acte qui était posé dans le cadre. Attribution, une mission, il était permis, il était placé pour ça, il était permis pour compagnie sécurité et acheter des armes pour personnes physiques qui ont besoin d'armes de protection personnelle, il était consigné, selon la loi. Et c'est normal que vous, j'ai arrêté le modèle, comment il était permis ça, pour quitter type d'armes, il était permis. Et c'est de ça qu'il s'agissait, lorsque nous te parlions devant le juge là. C'est pas normal, il était compliqué du tout. J'étais prêté seulement comme témoin, et nous te collaboré jusqu'au bout. Et, juge là te présenté lui une compagnie te parlé de une compagnie créée Dynasty. Alors c'est pas Dynasty, c'est Global Dynasty Core SA qui te bénéficiait d'une autorisation dans le cadre de la loi pour te acheter de 12 de pistolets et d'autres équipements de sécurité pour les prestations de services de sécurité sur le territoire. Mais compagnie ça son compagnie qui légalement établie en Haïti. Et suivant le moniteur qui publiait pour ça, qui m'a gagné avec moi là, qui me soupait avec moi, qui m'a capable de garder avec moi, c'est le moniteur du 23 octobre 2014, d'accord, numéro 202
d'accord, qui est publié dans le Moniteur, et tenait à dire que avis, ok, le ministère du Commerce et de l'Industrie informe le public en général et les intéressés en particulier que conformément au décret des 28 août 1960, 11 novembre 1968, 10 octobre 1979, 8 mars 1984 et 2 juin 1995 sont approuvés sous les réserves et dans les limites des lois de la République, l'acte constitutif et les statuts de la société dénommée Labo Global Dynasty Corp. S.A. Ok, constaté par acte public le 8 octobre 2014 au rapport du notaire Jean-Henri Seyant, notaire à Port-au-Prince. En conséquence, la dite société, d'accord, au capital social de 100 000 gourdes, est autorisée à fonctionner sous les conditions prévues au paragraphe précédent, Port-au-Prince, le 1er octobre 2014. Alors, sous base ça, monsieur Damsa, au moins BDG, la police, par exemple, l'État haïtien, autorisation pour faire avancer la procédure. C'est pas seulement ça. Et compagnie ça a gagné autorisation au ministère de l'Intérieur, qui autorise le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, on a même les accès à pour. Oui, bon, nous allons résumer. En résumé, ministère de l'Intérieur et collectivités territoriales, en date du 15 janvier 2015, autorisé compagnie ça a fonctionné en Haïti, ça c'est autorisation, hein, pour que signé du ministre Réginald Delva. D'accord? Le, en date du 15 janvier, lettre s'est adressée à M. Jimmy Joseph, directeur général de l'Agence de sécurité Global Dynasty Security Corps SA en ses bureaux. D'accord. Donc, ça veut dire que il s'agit d'une compagnie qui est régulièrement établie en Haïti. Et le ma parole là, dossier à peu qu'on arrive. Tout ça qu'a fait là, c'est dossier à peu qu'on arrive au niveau de la police. Parce que dossier ça, pour, non, premièrement, moniteur, c'est le ministère du Commerce. C'est le ministère du Commerce qui passait pour avoir autorisation pour entreprise anonyme fonctionner. Donc d'abord, on compagnie de sécurité, avant le service de sécurité, son entreprise commerciale qu'elle est, qui vend service, qui fait prestation de service de sécurité. On compagnie de sécurité, pas besoin forcément de gagner, et gagner des armes, et comme ça, l'ICA de sécurité avec Internet. En li kabay kamera, établi kamera de sécurité, li kabay li avec bâton, ou avec uniforme logo, mais gagne tous ces prestations de services de sécurité armés qui ont. Et c'est un secteur qui est réglementé et qui est contrôlé en amont et en aval. Ça veut dire que vous avez cette intérieur qui occupe des aspects entreprises là, comme société commerciale, ou gagne cette intérieur qui occupe des aspects sécurité interne, conditions de fonctionnement, et pour gagner la police qui l'a coupé autorisation. Maintenant, ça, donc, je comprends, parce que, au fait, vous accusez de GA, sur base, autorisation que vous avez bail, qu'on paye ça. Exact. Maintenant, à partir de qui moment autorisation de bail, est-ce que toute condition est régulièrement établie pour que Boutson ou Elis te signe autorisation mais, comme mais avant moi, voilà, le ministère de l'Intérieur a des son correspondance à Boutson ou Elis, DG d'alors, le 3 novembre 2015. Ça a tout coûté nos calibres. Monsieur, ministère d'État et collectivité territoriale, avec toute code compagnie, hein. Monsieur Godson Aurelius, directeur général de la police nationale d'Haïti, en ses bureaux. Monsieur le directeur général, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a l'avantage de vous transférer la correspondance de la compagnie de sécurité dénommée Global Dynasty Corps Sécurité, qui sollicite auprès des services concernés l'autorisation d'achat de 50 pistolets de calibre 9 mm pour le fonctionnement de la compagnie. Ce ministère vous informe qu'il n'a aucune objection à cette requête. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales saisit l'occasion pour vous renouveler, monsieur le directeur général, l'assurance de ses considérations. Et Gino Bounet, directeur général de la collectivité territoriale, ministère de l'Intérieur. Donc, ça veut dire c'est suite à toute documentation, ça y est, DGA délivrer autorisation ça. Mais autorisation de DGA bay là, n'est pas un chèque en blanc. Il y a une restriction là-dedans qui permet un contrôle qui fait des pays d'acquisition d'armes. C'est pas on est pour acheter des armes, on achète un pain baguette dans un magasin, on achète un bonbon entre la caravelle. Qui ça le dit? Veuillez, alors, m'appelez paragraphe ça seulement, après, au fin, bah, autorisation, hein, bon, mention spéciale, nota bene. Veuillez noter qu'il vous est fait obligation
d'obtenir l'autorisation préalable d'exportation des autorités du pays d'acquisition pour pouvoir introduire les armes surmentionnées en Haïti. Le calibre 9 mm. Calibre 9 mm. Donc, premièrement, il y a un contrôle qui fait par le ministère de l'Intérieur, qui bah, on a une objection à la police, le territoire intérieur, il y a eu comme ministère de l'Intérieur qui est lié, la police lui-même, qu'on y a là, les mettait en application et l'exécuter. Mais ce n'est pas DGA directement, comme moi, ce n'est pas DGA qui fait travailler, comme dans le directeur général ici, et TNH. Mais le directeur général, ce n'est pas les techniciens, et travail n'a fait là, je veux dire, ou même comme on a dit, Seigneur, tout caméraman, technicien, là, yo, c'est au cap exécuté. Ça veut dire qu'il doit arriver, qu'on y ait glissé, non caméra, non reportage, etc., et à corriger. Mais ça, c'est une question administrative. Maintenant, faut nous clair son question. Pas aucun rapport, ni de près, ni de loin, entre contrebande, moun qui a fait contrebande, soit trafic illicite de stupéfiants, soit trafic d'organes, soit trafic d'armes à feu, avec autorisation. Okay, contrebande pas mélangé avec autorisation, ça fait le contrebande. Mais non, avant de là, il m'a dit, lui, est-ce que tu n'as pas le temps de comprendre que tu as deux autorisations? Autorisation pour comparer à tes fusil de calibre 12, autorisation pour tes fusil de calibre 9 mm. Bien sûr, il y a des autorisations. Pas bien deux autorisations, il y a une autorisation faite pour deux produits différents. Ok. Et comme on dit, on ne peut pas utiliser affaires armes du tout. Et, suivant circonstances, suivant service la bail, suivant nature service la bail. Il y a une compagnie de sécurité qui utilise, qui bail prestation de service. Il y a un qui l'a cap sécurisé site seulement. Là, nous dit site, on a parlé de bâtiments, organisations, lieux d'activité commerciale, lieux d'institution d'administration publique ou privée. À ce moment-là, c'est au capable des agents de sécurité avec des 12 nommés. Je me disais que je dois entrer dans le TNH et puis un agent en uniforme avec un 12 nommé. C'est à courant. Mais il y a tout qui sécurise des personnalités. Les compagnies de sécurité qui ont des prestations de services à des personnalités, généralement, ce n'est pas manche longue, gros âmes et 12 qui n'amènent beaucoup de monde. C'est un âme courte et non automatique qui dissimulé sous tenue et vestimentaire. C'est âme de poing. Âme de poing en termes techniques. C'est 9 mm en général qui est donné. Et même la police actuellement, il va utiliser 38 par exemple. C'est ça que fait pour en ce pratique bien la police là. Parce que moi, non seulement là, moi, c'est conseiller direction générale DG la police depuis 2001, après pour ce qu'a pour faire, et avec Paul Tramo qui m'a participé de la donne. Depuis le temps, moi, j'ai une station de conseil dans l'état-major de la police. Donc, ça veut dire que l'autorisation, là, même pour 12, là, il y a une différence pour nous faire. Il y a des 12, c'est 12 automatiques, qui ont des canons qui sont automatiques, qui sont des armes de guerre. Alors que c'est 12. Mais il y a des 12 simples, c'est qui tirent coup par coup, et c'est 12, ça, que la police, généralement, et pas généralement, dans tous les cas, c'est 12 armes autorisées, compagnie utilisées. 9 mm, pas 11 armes automatiques. 9 mm sont des armes semi-automatiques. 45, par contre, anciens militaires officiers, longtemps dans l'armée, qu'on utilisait, sont armes automatiques. Donc, ça, c'est un débat technique. Mais ça, c'est direction technique DGA qui occupe de ça. DGA, son personnage, et qui ont responsabilité transversale dans la police là. Chaque fois qu'on doit se traiter, les vignes joignent après étude technique des staffs là, ils vont faire valider pour signature. Bon, même les, par exemple, juste là, dis-moi, un seul bagage qu'elle reproche des gens, à savoir que, n'a une autorisation, yo, pas d'agré mention, et non compagnie, c'est mention PDGA seulement gagné, mais c'est dans l'autre la gagné. Dans ça gagné 49 mm là. Moi, j'ai fait, souligner à l'attention déjà à l'observation suivante. Moi, j'ai dit que, est-ce qu'elle vérifiait que, autorisation pour Dozio bail dans quatre demandes là. Est-ce qu'elle conforme à demande là? Parce qu'il y a une lettre de demande là, tout, qui est signée par PDG compagnon. Dans tous les cas, les personnes morales n'ont pas de vie propre. Les personnes morales sont représentées par des personnes physiques. Donc, quelle que soit où tu as la direction générale de la télévision nationale, sont personnes physiques qui représentent elles. Ou prend le palais national, sont personnes physiques. Ou prend le parlement, sont personnes physiques. Ou entreprise privée, société anonyme, sont personnes physiques. Donc, dès que personne physique l'a clairement identifié. D'autant que M. Jimmy Joseph, qui bénéficiait autorisation en sa qualité de PDG de la compagnie, c'est un responsable statutaire de la compagnie. Ça veut dire, non figuré dans le moniteur comme monde qui fondait société avec un autre frère. Donc, ça veut dire que, en tout état de cause,
et autorisation signée à même les non compagnons pas figurer là les bail dans cadre de demande là qui vient moniteur publié compagnon qui vient autorisation de fonctionnement du ministère de l'intérieur et puis qui gagne non objection adressé à DGA directement au ministère de l'intérieur. Donc ça ne fait aucun doute que sur l'être là qui bail à PDG compagnon. Autorisation bas en décembre 2015, ça va me préciser pour mon gabarit là. Tout à fait. Les amis, ils doivent rentrer là, vous faites, ils viennent rentrer en septembre 2016. Très bien. Maintenant, autorisation et les amis qui rentrent, est-ce que bon contrôle qui fait pour effectivement vérifier autorisation des GAT bas là, c'est qualité des amis, ça va arriver dans WAF Saint-Marc là et notre pays. Mais justement, ça c'est que les questions ont soulevé là. C'est les lignes rouges là, ça. Et ces fils rouges là. Monsieur dit alors, et au début de l'émission, on ne peut pas confondre contrebande et autorisation. Moun ka fait contrebande, pas qu'il y a autorisation. C'est un non-sens qui d'habillé. Contrebande, c'est des moun ka arrangé dans nos quatre bagailles louches, mafieux, etc., et souterrain, qui a fait contrebande. Donc, autorisation, c'est moun ka fait bagaille qui est légal, qui est correct, qui a suivi la loi, qui a fait contrebande, qui a fait autorisation. Donc, on contrebandier, pas n'a fait autorisation. Au contraire, c'est la négation même, de la loi. Donc, maintenant, les gens, ça, pour ta fête, et comme moi, bah, pour ce verbal, non, même moi-même, non, voilà, voilà, que même bien, à disposition, même, bah, bien, non, là, ça, pour ta fête. Et qui processus pour acheter les âmes, là, lui-même? Processus, là, déjà, par exemple, la police, bail, autorisation, qui sont autorisations de principe. Ça veut dire, c'est pour moi, qu'il y ait. Et, longtemps, dans l'ancienne autorisation, que qu'on bail, yo, te qu'on quitte des espaces, yo, du mona, ou pour acheter les âmes, aux États-Unis. Comme pratique, là, c'est toujours avec les États-Unis, le plus souvent, compagnie, yo, fait acquisition d'âmes. Mais pour des raisons techniques, stratégiques, les étudier pour éviter des ordres, yo quitte moun nan pour acheter zamnan libre pour choisir pays le vle. Yo ba l'autorisation pour acheter zamnan. Bon, naturellement, Haïti pas fait zam, c'est à l'étranger pour l'acheter. Mais, m'sout li un paragraphe pour téléspectateurs et télévision nationale, que des autorisations précisées, que moun sa, l'el fin acheter zamnan pour l'acheter là, faut gen autorisation express pays d'acquisition pour le cas introduit sur le territoire d'Haïti. Mais dans le cas où mon a bénéficié vraiment et la possibilité d'acheter des armes, avant l'introduction sur le territoire, il parle même d'acheter. Si son compagnie qui a vendu des armes aux États-Unis, par exemple, il était à des armes qui dans magasin, il n'a pas qu'à vendre des armes à eux. C'est un fournisseur qui l'a adressé avec demande express que à qui il a gagné. Mon fournisseur ça adressé à autorité instance américaine qui vérifie avec elle, qui autorise le vendre. Les amis fin acheté, yo contrôlé, c'est pas moun ka acheté la ka premier transporteur ali. C'est instance compétente américaine avec compagnie fournisseur qui a vérifié qui a metté soit sous cargo, soit dans shipping bateau, soit dans par l'autre voie que maritime qui l'a rentré pour l'entrée. Les rive en Haïti, c'est pas un waki, gon contrôle qui fait du pays d'exportation et au pays d'accueil, pays de destination. Maintenant, moun sa a pas qu'on est prêt à vous l'entrer dans le magasin avec le bagage, dans l'entreprise, distribuer le bagage. Faut aller dans la police encore pour la déclarer les amis, pour garder ma calibre, pour enregistrer, pour avoir autorisation de fonctionnement avec eux. Autrement dit, on a déjà moins pris dans le pays en septembre 2016. Eh bien, bon. Ça, autorité, on a vérifié, et même pour déceler. Est-ce que c'est des âmes, ça, on a parlé d'âmes, et déjà autorisé? Non, moi, je ne parle pas de légal, là, moi. Je ne parle pas de procédure légale, pratique, qui gagne la PNH. Maintenant, contrebandier, c'est la justice, avec la police qui est contrôle contre les bandits. Mais c'est sous base, ça, juge là. Mais juge là instruit dossier, ça, même n'a pas l'air. Ne pas le dossier légal, là, non? Juge là instruit des dossiers illégaux, saisi d'âmes illégales, il a été fait. Oui, oui. Et, là, septembre 2016. Dans le cadre de ça, il a invité DGA cette fois-ci en novembre 2017 pour le vérifier avec DGA dans quel contexte, quelles conditions, quelles procédures DGA a habitué par autorisation. Il est clairement établi dans l'autorisation à qui juge la gagne, qui nous gagne tout. Et DG a débat autorisation pour 12 et 9 mm. On saisi au fait là, c'est un bail qui dépassait l'entendement, c'est un paquet d'armes, et qui gagne des armes de guerre, etc., de tout type calibre, etc. Maintenant, si tu as fait un bagage objectif et impartial, ou tu as besoin de vérifier, est-ce que dans les armes, ça y a gagné la DAO qui est autorisée pour te importer? C'est compliqué. Mais ça, pour ta fait, c'est moun qui importe les armes, non? Pour t'a dit, maintenant, ZAM, ça y est, pour qui est-ce que l'autorisation, ça y est?
Maintenant, faut le tabac, premièrement, le tabac dit, bon, m'te gen pour pistolet, mais 50 pistolets, ça, m'te gen autorisation pour lui m'acheter au menu. Et, mais qui côté m'acheter aux États-Unis, mais qui côté livrer mieux, et mes connaissements côté me fait transporter, yo, ça, est légal. Faut travailler ça, t'as fait. Qu'on y a respiré, t'es ces armes de guerre, yo. Et, ou bien, qui en plus, qui dépassait 50, même si c'était 9 mm, même si c'était 12, m'ont pas gen autorisation pour quantité ça, yo. Faut le tabac traiter, yo, à pas. Pour t'as dit, maintenant, côté autorisation, ça, yo. Mais ou pas qu'à prendre amalgame pour faire. Mais automatiquement, ou entrer dans le contribuable, toute l'eau, ça a apporté à supposer illégal. Mais qui j'en juge là, fait rapprochement, entre autorisation de gérer la police, c'est déjà qui baille, examen qui peut rentrer dans le pays, à partir de la paquette, septembre 2016. Bon, c'est ça que fait moi-même, maintenant, l'interview à voir, parce que là, ça m'a appelé, bon, ben, elle a décant, fait décantation à vous. Comme vous comprenez. Je n'ai pas jamais demandé de DG, mais âme ça, yo. Il va jamais montrer le DG, ça, yo. Tout le monde, il manque toujours avec, de A à Z. Je n'ai pas, à aucun moment de la durée, je n'ai pas jamais montré ni procès verbal, je n'ai pas jamais montré ni procès verbal, ni âme, physiquement, pour le dire, mais yo. Mes âmes qui étaient rentrées, c'est mal, âme ça, yo, so, est-ce que c'est pour vous, autorisation? Ça n'a pas jamais fait. Moi-même, c'est la deuxième fois, moi, pas oublier ça, M. Sergi Lorendo, moi, que, j'ai adapté un DGA comme témoin et le 20 novembre 2017. Ce qui a eu lieu, ce qui a été fait. Cette fois-ci, il continue d'aller nous comme témoin. C'est à la fin, à la clôture de l'audition, pendant qu'il a vérifié si greffier a transcrit fidèlement la déclaration DGA fait, il y a deux agents à PENA qui ont introduit dans le bureau du juge-là, bien entendu avec l'autorisation du juge-là, qui mettait mes notes dans le DGA. C'est là ça moi camper moi dit monsieur ça m'a dit magistrat ça qu'a passé magistrat lui dit mettre Pierre qui t'aime faire travail moi et moi dit non mais magistrat écoutez si mes non client à voir deuxième fois Dortchelles family ou par exemple signifier ou un kilpel donc son témoin devant là comment monsieur fait mettre mes notes dans bras témoin qui sont DG on ex DGPNH qui viennent qui se porte au prince qui viennent devant Saint-Marc. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut tout reprocher. Il faut dire que ça n'a pas de secret dans l'instruction pour moi-même. Le secret de l'instruction en droit concerne les tiers, le public. Mais c'est pas pour la partie concernée ou bien pour les parties concernées. Si je suis inculpé, ou à pas arrêter, il faut dire que je suis inculpé. Premièrement, il faut avoir un acte pour moi. Acte, ça a qui ça a dit. Son acte, si je suis témoin d'abord, ou à changer, dans quel cas on juge qu'à transformer statut on témoin en inculpé dans le cadre d'un dossier la criminel la mène enquête. C'est là le jeune défait nouveau. Et l'hypothèse fait ça à la connaissance du commissaire du gouvernement qui rend un acte qui relève réquisitoire supplétif. Réquisitoire, c'est un acte complémentaire qui pour compléter le premier réquisitoire du ministère public qui là, qui pourrait mettre instruit qu'on y a là contre Mounsa, in rem, in personam. C'est-à-dire fait nouveau et auteur fait nouveau. Parce qu'en droit, comment vous procédez? Je ne parle pas de la loi, mais que la loi n'a pas commencé à appliquer contre le monde. Il n'y a pas de crime sans loi, il n'y a pas de peine sans loi. Mais la loi vient qualifier une infraction qu'on fait qu'on commet. Lorsque les grands événements ont un incendie qui fait, on caméra crasée, premier démarche, on a le JDP vient constater, mais un événement privé. JDP a verbalisé l'événement. Quand il y a l'arrivée devant autorité judiciaire qualifié l'événement. Premièrement, où j'ai une zame illégale, ça y a un monde qui pote yo, un bateau qui transporte yo, bateau a un capitaine, et un expéditeur, un monde qui a un destinataire qui placé pour recevoir yo, un monde qui vient dédouaner yo, qui vient retirer yo, mais un monde qui a auteur, yo ka co-auteur, yo ka complice. Auteur yon infraction, c'est un monde qui commet infraction. Co-auteur, c'est un monde qui commet li avèl. Complice, c'est un monde qui pote moyen aide, support pour aider l'infraction à commettre là. Et juste la reproche déjà de complicité de trafic illicite dans ma feu, qui c'est une infraction transnationale. Mais elle pas jamais dit à aucun moment, monsieur Gouton Aurélis, met tel monde ou aider pour faire ZAM ça entrer dans le pays. Enfin, mais si c'est vous de mettre lui, il y a deux mondes, ou parmi les responsables pour ça, que la justice américaine a arrêté. Ah oui, c'est clair. C'est évident parce que l'acte l'a publié, moi-même, il y a un. Mais Américains, les inculpés Mounsayo, la Kaili, et pas pour Haïti, ils ont inculpé. Mounsayo, c'est propriétaire global, dynastie, sécurité. Ils ont des amis à vendre dans un magasin légal, ils ont autorisé pour faire trafic aux États-Unis.
mes amis avant eux pas autorisé pour exporter vers Haïti. Donc ou bien n'importe quel autre pays. J'aime de là s'il a pas chi a pas des armes pour l'autre pays pour vendre dans l'autre pays, il faut une autorisation express pour ça et une procédure spéciale pour ça. Donc le fait qu'il fait des armes qui alors pas dire le fait américain reprocher le fait que yo t'a fait des armes qui était territoire américain pour venir en Haïti. Yo exporter des armes sans qu'il y ait une autorisation instance américaine pour ça. C'est ça yo reprocher yo, mais à faire des armes qui arrivent en Haïti à Konya. Donc si mon affaire ça arrive illégalement en Haïti, son l'autre niveau d'infraction qui concerne Haïti. C'est ça que fait parler de transversalité de cette infraction. Bon maintenant, auteur ça arrive en Haïti, sous dit monsieur complice en ce qui concerne client là, à savoir monsieur Gordon Aurelis, ex-DG de la PNH. Sous dit complice, faut même moyen ou te bail mon ça yo, mais qui support, mais qui côté, mais qui le soit côté bail machine, soit côté bail on moun, on laisser passer. Pour dire qu'il n'y a pas quitté les amis au passé, faut côté, bon côté pour débattre. On laisse aller DGA, pas de fonction. Les amis ont entré en septembre 2016. DGA a quitté la police depuis 8 avril 2016. Non, le débat autorisation en décembre 2015. En tant que DG, c'est en cas d'attribution que la loi Bali, c'est lui qui est DG, qui commande la police, qui est un monopole pour l'autorisation. Actuellement, DGA continue à avoir l'autorisation. DG en fonction. Puis son attribution, la loi Bali, son attribution aux missions légales et normales constitutionnelles. Je ne sais pas si vous avez des données par rapport à l'autorisation, qui a toujours été là. Mais bien sûr, pourquoi pas. Mais c'est où le juge là. Mais nous ne pouvons pas parler des bagailles. Là, moi, je suis un ancien membre du conseil de l'autre débat au départ au prince. Moi, je suis un avocat senior. Nous sommes professeurs des facultés en Haïti. Je enseigné au niveau troisième cycle. Premier, deuxième, troisième cycle. Moi, je suis un personnage connu. Nous sommes conseillers, nous ne pas qu'être ma conseiller la police. Nous réalisons les plus grands procès pénaux en Haïti. Nous participons là-dedans. Mais nous connais déjà ma parole. Pour inculper un monde, il faut ou pas garder secret dans le chef de l'éducation. Albert, nous avons jugé la combattre dans le même contre M. Gordon Aurelis. Mais premier, ça ne pouvait pas arrêter. Et ma douleur est plus intéressante toujours. Tout côté justice a fonctionné normalement. Régulièrement, côté juge, on monde qui est intelligent. Et juste ça, il y a une réputation, juste intelligent, je dis, mais expérimenté et honnête. C'est ça, c'est réputation de la Yobani. Même, m'estime que n'importe mon café irec, même si l'honnête, même si le compétent, même si l'expérimenté, c'est humain le café irec. Mais, bon, d'agent doit dire que si l'erreur est humaine, la persistance dans l'erreur est diabolique. Je n'ai pas qu'à persister dans l'erreur. Qui ça lié? Sous des éléments qui permettent de m'inculper, c'est juste que j'ai la gain pouvoir ça, la loi Bali pouvoir ça. Mais ou pas qu'à dire son secret lié pour moi. Faut porter à ma connaissance pour dire moi, M. Gordon Aurelis et M. Pierre-Louis, mais ça ou fait, mais ça me reproche de ce fait ou inculpé de ça. Et maintenant, ou pas qu'à dire moi, arrêtez, moi, mais je l'ai dit moi, les membres de la qui sont reprochés qu'il y a maintenant. Puisque c'est juste que j'ai autorité pour arrêter ou qu'à inculper. Qui sont reprochés, qui faut qu'il fait. Qui de mettre les bambou. Dans une autorisation DGA signée, il y a une qui va gagner non compagnie. Même dit le fait non non PDG compagnie, qui a un statut là, qui a deux mandats, il signe deux mandats, et puis, et autorisation conforme à deux mandats, mais l'ordre ça n'a pas prêté à conséquence, et ça m'a donné là, il va être consigné dans le procès verbal, l'audition, et je dis là. Maintenant. Est-ce qu'à partir à aucun moment dans l'audition, pas de sentir que Balateka arrivé dans l'audition? Oui, c'est ça, c'est avocat, mais une expérience. Et moi, j'ai fait une demande, il faut à un moment donné, j'ai été collaborer avec ce point ça. Puisque la Constitution fait obligation à tout le monde qui ont déjà attendu dans le cabinet d'instruction comme inculpé pour l'assister de mon avocat ou bien de un témoin de son choix. Et, mais assistance-là, il y a un peu le juge qui ne peut pas trop comprendre pratique assistance-là. Avocat ne va pas le plaider puisque il n'y a pas lieu, ce n'est pas une audience, on ne va pas plaider pour devant les juges d'instruction. Mais l'assistance n'est pas passive, c'est une assistance active. L'avocat est là pour contrôler le respect strict du droit et de la procédure en faveur de son client. Et les mois juges là a posé M. Aurelis pas des questions normalement qui doivent être destinées à un témoin. C'est des bagailles directes en termes de responsabilité qu'il a cherché autour de Kiyamna. Je te dis là, magistrat, permettez-moi de vous faire observer que les questions que vous êtes en train de poser sont des questions qui sont destinées, qui auraient dû être destinées normalement à un inculpé.
si vous décidez de transformer le statut de mon client de témoin qu'il est à un inculpé, il faut le lui signifier immédiatement. Sinon, je m'oppose maintenant à ce qu'il réponde à ce genre de questions. Ça, je vais dire. Il m'a demandé pour consigner l'observation. Il te fait consigner. Et ça, à ce moment-là, il dit, mettre Pierre-Louis, moi d'accord avec vous, et moi-même, il dit, me font un petit temps de moi. Il continue à faire audition. Hein? Dans la fin audition, hein? Dans le moment où nous prenons le contrôle, est-ce qu'il y a transcription fidèle des déclarations du DG, nous disons, DG. Moi, je dis, mais ça me capte de magistrat. Non, ça ne peut pas se faire ainsi. Mais on connaît que, lorsqu'un avocat, ou son auxiliaire de la justice courrier, ou un juge qui a décidé dans la cabinet, on ne peut pas l'opposer à travail juste là. On ne peut pas le faire obstacle à travail juste là. On va faire observer qu'il n'est pas dans le cadre de la loi, tout simplement. Alors, selon Jean Villagie, comme quoi, M. Aurélie, c'est bien pour vous, avec ensemble de âmes qui peuvent entrer dans le cadre de la loi. Mais elle ne peut pas jamais dire ça. Et ce qui basait avec, ce qui basait qu'un dossier. Mais, alors, bien entendu, M. Jean, il faut me faire réserve pour vous. Moi, pas qu'à d'où toute question, juge la pose et client, non? Parce que là, je ne peux pas faire inscription dans la presse. En tant qu'avocat senior qui a une responsabilité professionnelle, moi, sous serment, moi, sous l'obligation de réserve. Mais élément qui palpable, élément qui évident pour tout le monde, côté un point d'ombre, faut me faire auditoire public là, comprendre de quoi il s'agit. Parce que M. Aurélie, c'est pas n'importe qui monde. C'est un directeur, ex-directeur général de la police, qui détenteur de grands secrets d'État, tant sur le plan national que sur le plan international. Il y a un juge responsable, pas des juges d'appareil responsable, mais il y a un juge qui comprend le sens de responsabilité et portée des dossiers, ça. Là, on a un DG, PNH, non, mais on, qui fait partie des réseaux des anciens DG présents et passés et présents du monde entier. Qui contrôle, dans le Conseil des Nations, tout un cap, dans gros instant de sécurité mondiale, qui va le représenter Haïti, dans le cadre de sécurité transversale, dans le cadre de Interpol, police internationale, qui détentait des secrets d'État au plus haut niveau. Laissez-les qu'il y ait des pas pour le monde pour arrêter. En termes d'expérience professionnelle et pratique, c'est pas pour le monde pour arrêter. Au contraire, dans tout système pénal intelligent, c'est quoi fait sciemment, avec stratégie, son monde qu'on besoin comme, son ressource qu'on besoin comme collaborateur, même l'ELTA concerné, pour la protection, pour qu'elle comprenne certaines choses, et c'est le dernier monde pour arrêter. Mais là, c'est lui-même pour arrêter de manière scandaleuse, et pour mettre en prison, alors que vous avez des lumières importantes qu'on a besoin d'emmener pour t'aider à mieux comprendre, ils sont spécialistes liés, et le traiter question en théorie et en pratique, et le connaît, et c'est un homme d'un serviteur de l'État. Mais il n'y a pas qu'un secret pour moi. Là, il n'y a pas qu'un secret pour M. Moulkin en prison. Hein? Ou pas qu'à mettre en prison ça après pour dire qui ça me fait. On va comprendre, non? Même pas qu'à comprendre tout, pas bien qu'à comprendre. Parce que si on demande à dépôt, on demande à dépôt. Moi-même, je l'ai dit, mettre Pierre Louis, et ça m'estime que ça a été peut-être, et mon client, c'est pas le son flop, son sorti, son fly, bah, qu'on est contre les lits. L'homme dit, magistrat, mais qu'on est bien fort, dit, me sort reprocher client. Il dit, c'est vous, c'est juste, on doit arrêter, mais quoi, dit. Il dit, mettre Pierre Louis, j'ai un peu de respect pour vous, mais faut qu'on ait un adulte, ça, moi, m'a subi pression. C'est sûr. Et ça t'est vraiment intrigué. Moi, je me dis, magistrat, de quoi s'agit-il? Je me dis, magistrat, ou son juge d'instruction? Autorité ou découler de la loi et de la constitution? Moi, je dis, ou pas aucune pression de près ou de loin pour qu'on a subi nos dossiers ou après tout. Et moi, je dis, premièrement, faut que les gens et moi-même connaissent la nature et origine de pression, ça y est. Parce que, ou pas relever des mains, mais là, ou agir contre ou privé un citoyen qui ont invité des gens, qui commencent à collaborer avec vous, d'après deux fois invité de venir vers nous, même l'autre a fait qu'il peut, mais Maril a arrêté le hôtel illico dans le bureau, ça t'a voulu dire qu'il y a des éléments qui établissent des présomptions graves d'implication dans ce reproche là. On dit, où sont ces éléments magistrats? Il dit, mettre plus à lui qui fait travail, moi-même, pour me protéger, peut-être, ma petite question. Donc, moi-même, j'ai essayé de faire, j'ai essayé de comprendre. Li di m la getan pale. Bon, mwen di magistrat pa gen la getan pale, mwen se pa baye personel la pote. Mwen son auxiliaire de la justice, avocat, défenseur public, ke la loi autorise exercer ministère mwen fè partie des barreaux d'Haïti,
et des fédérations de travailleurs de Port-au-Prince, m'a défendu nos clients, m'a exercé ministère légalement. Est-ce que vous êtes venu à cause d'arrestation? Oui, m'a privé avant, Moi, je dis là, vous pouvez exercer ministère, pas de secret entre ou même avec et clients. Il y a un secret pour le public. Il faut dire pour qui ça, ou pour le client, pour préparer la défense. Il faut dire, il n'a pas de parler. Maintenant, entre temps, et bah la gâte qui dans ce n'importe là avec DG l'emba de yo malgré des ambiance pas la vers là. Alors faut me rappeler pour monsieur Solino Lindo sous compte Jacques Mel côté tribunal Jacques Mel commission Jacques Mel là, il y a dans même périmètre là gagne à la fois tribunal là Saint-Marc ou Saint-Marc gagne à la fois tribunal là parquet de Saint-Marc et commissariat de police là, la même périmètre là. Autrement dit son côté tu gagne moun là que trois institutions fonctionnent à la fois et bon commissariat police moins qui là dans Idmo. Toute unité qui fait partie des commissariats, c'est là, vous voyez, police en crème, à Pena, tout c'est là, c'est dans l'espace là. Donc, les mal qui font coup d'œil dans l'espace là, en bas, il y a un corridor, ok, et un escalier, c'est à l'étage, c'est là, un escalier qui fait un fait forger, c'est l'escalier, ça nous, pour le dévaler à déjà pour arriver en bas. Juste là, pas de prendre précaution pour le faire à Pena, vini, pour te tout mettre déjà dans une machine à la velle. Ou qu'on voit que même dans l'international, les arrêts au monde, ils couvrent cette monde là, les minotés, même minotes là, ils ont couvert pour permettre les malais, pour protéger, ça fait en vertu du principe de la présomption d'innocence. Ou pas fait pour livrer mon nom au public, comme un vulgaire personnage, pour minotés, pour permettre que, ouais, comme tu vois, Vilil, et qu'après l'archive internationale, ou tout, bah, ils ont pas fait ça, dans la justice équitable. Or, dans le cas ça, ils ont minoté déjà, la presse vient couvrir le minoté, mettre le nom étage, il a filmé le depuis en bas monté, policiers descendent avec lui, ils ont mis le nom petit coin, marin coin, en bas en escalier, pour le temps à peine à venir, sans qu'il y ait à peine à vous arriver. Et tellement ça crée émotion, tout le policier a brûlé, tout le monde qui est dans le coin a brûlé, ça va gagner. Et là, ça, moi-même, je me rapproche, je me dis, magistrat, ou pas qu'à faire ça. Je me dis, magistrat, soit il était déjà, il est sous contrôle, mais l'homme est en bas, pile le monde est en bas, je ne sais pas qui est qui est qui remène, qui est qui pas remène, ou mettre le nom bagaille délétère. Et moi souligner pour juger là c'est sur responsabilité sécurité lui et moi même tout pas été gain en pile monde armé dans l'environnement c'est le sage juge d'avoir accepté faire déjà tourner chita dans bureau mais te gont étant en tension en animosité année l'autre pareil dans ambiance là qui était créée mais c'est normal ou arrête un DG puis ancien DG PNH dans côté gain commissariat tout policier qui là donc moi même moi j'ai obligé de sagesse moi mon autorité morale que me gagne. Et dans un moment, pour me chercher à jouer une calme, parce que j'ai continué à agiter lui-même. Est-ce que vous avez déchiré le mandat? Oh non, pas de bien ça. Après, déchiré le mandat, moi-même, cadeau, ça me gagne comme information. Parce que j'étais en dedans, bureau juge là, il n'aime pas arrêter là, il y a deux agents avec moi. Et, les agents, yo, parce qu'il n'y a pas parlé comme si le policier t'a interposé à arrestation. Pas de possibilité pour ça. Puisque dans le bureau juge là, on bureau juge d'instruction, son audience qui toujours fermé. Son bureau toujours fermé. L'instruction est secrète. La porte fermée, je l'ai instruit. Moun qui dans le bureau juge là, c'est juge là, c'est moun la interrogé là, et puis c'est avocat avec greffier là. Donc c'est quatre moun qui dans le bureau juge là. Juge là, et moun la plainte là, avocat et greffier. Pas de l'autre monde. Les agents ont venu noter, déjà, c'est dans le bureau porte fermée, ils ont venu noter. C'est là, ils ont sorti avec elle. Pour descendre l'escalier, pour aller dans le corridor, côté pour tout le monde en bas. C'est là qu'on y a un vacarme, on branle bas. Parce que, et côté, vous voulez fourrer déjà dans un petit coin de la vue, pour tout le monde qui a passé ou elle, garder, ou fait ça, il y a un policier qui n'est pas d'accord ça en bas. Et c'est là, ça crée une sorte entre policiers, c'est un bagage. Mais je n'ai pas de même concerné parce qu'il y a l'état là même. Maintenant, là, bah, elle a mêlé comme ça, moi, témoin des juges là, ils ont cas pour le résoudre et pour sécurité tout le monde, notamment sécurité des DG. Après, tout finalement, tout le monde m'a les révélé. Ou bien responsabilité. Parce que l'article 27-1, pas épargné le juge, non, sur le fait abus. Article 27-1, constitution indique que toute autorité qui commet abus dans l'exercice fonctionne. Ils ont cas poursuivre tant sur le plan civil et pénal. Ok, nous faisons une parenthèse là. Maintenant, les juges l'ont accepté de faire des DG à monter, venir retourner dans le bureau là. Moi-même, je voulais sortir mal sale des policiers, c'est là, ça, j'ai été tellement, ouais, opportunité, ça me dit là, de dire, mais Pierre-Louis, pas sorti, parce que sécurité, se compte moi avec des gens, ah, merci, ma gueule, bien content pour ça. Et c'est là, ça, maintenant, à peine, venir voir la suite, officier à peine, qui venait, était très correct, l'été, déminuté, déjà, et j'ai été opposé à ce que officier à peine a déminuté, juste là.
Je te dis magistrat, déjà pas sur contrôle encore. Puisque vous êtes en remettre la pénalité, qui a mené le minoté ou pas minoté, c'est professionnel, vous avez contrôlé, c'est pour vous. C'est un travail parti, travail pas. Et officiel de minoté, c'est l'entrée dans la machine. Donc, bref, deux éléments qui retenir attention même comme avocat ex-ministre, je m'exerce en tant qu'avocat DGA. Premièrement, arrestation faite en dehors de la loi. Parce que je n'ai pas dit, jusqu'à présent, je n'ai pas dit pourquoi j'ai porté à sa connaissance les véritables faits qui lui sont reprochés. Mais ça le mettait dans le mode à dépôt. Mais lui mettait des bagailles qui c'est des bagailles la loi prévoit. Oui. Mais les faits, yo. La loi, c'est le fait, d'accord? Maintenant, c'est les faits, les circonstances et la loi. Mais qui sont faits, maintenant, qui sont constants, sont faits. Oh. Et mais ça, la loi dit. Pas la loi d'abord. Les juges a transcrit dans mon mandat et trafic illicite de stupéfiants. Déjà, est-ce qu'elle te gagne une combinaison, elle te aide? J'ai voulu dire, où te aide un tel entre les amis? Pendant déjà pas de DG, en septembre 2016, les amis étaient entrés. Est-ce qu'elle te gagne un rapport avec le responsable compagnie ça? Mais ça, pas du tout. Il n'y a pas de même compagnie. Il n'y a pas d'administrateur dans la compagnie. Non, je n'ai pas de rapport avec. Non, si vous avez donné ça, vous mettez bon money là. Non, et question posée. Vous avez donné ça, vous avez donné ça, vous avez donné ça, Non. Parce que tout pas d'informe, mais quelle idée? Si déjà dans la compagnie, il est évident que pas d'abri tout et moi ça, on a payé. Et moi, je vais vous remarquer, ce qui est haïtien, contrairement à son monde, parce que c'est banal comme ça. Les gens connaissent les gens abus. Moi-même, j'ai habitué à arrêter les gens, même cadre de la police, là, même, m'a pas assisté. J'ai habitué à arrêter deux cadres, j'ai arrêté, même, j'ai arrêté, dans mon époque. Dans le DCPJ, il a dit, mais tu as arrêté l'Ochan, on fait l'Ochan, même des DDO, pendant que beaucoup de faits ont été reprochés. Et moi, tu as gagné bagaille après ça, la justice tranchée. Il a arrêté DG ça. Bah, ça, la justice tranchée, tout le monde, ça a été allé ordonné de la prévention, l'ordonnance de renvoi, tu rends compte, la justice libérée, tout. Mais pas de gain scandale, parce que l'arrestation, ça a été faite dans la porte fermée, une heure du matin, pas de gain monde qui était ouais, ça, et la police était gérée, avec la justice était gérée, dossier. Mais, l'OGE, ou arrêté un DG, qui sont de Saint-Marc, qui sont de Port-au-Prince. Quand tu es avec un avocat qui traverse des et des villes pour arriver à l'arrondissement, pour arriver à Saint-Marc. Ou inviter on vendredi. Ou faire audition de 10h du matin à 5h de l'après-midi. Et l'île loin Famini, l'île loin tout le monde qui proche lui. Ou arrêter ou pas même des avocats, même par discrétion, par protection, pour aller, pour dire, mettre là, je vais aller avec Lyon. Comment serrer les familles pour pouvoir manger avec la boule. Déjà, venir voir comme témoin, nos quatre collaborations de volontaires de bonne foi, les pour documents pour vous, ou finesse, tu vas là pendant toute une journée, et juste là, prendre tout le temps pour développer des bâtiments théoriques pour le faire les passer. Et l'elle viendrait si parler des inculpations déjà, audition à dégâts. Est-ce que vous-même, comme avocat, vous avez m'a fini pour ça, hein? Là, ok, vous arrivez à la 5h de l'après-midi, ou toute famille Saint-Marc, toute famille Port-au-Prince, qui sont balés pour le bois, qui n'ont pas de l'eau à la disposition pour le bois, pas de manger, pas de voyage à manger, ni pas de voyage à rien. De trouver le moi-même face à lui-même, ou à mettre le nom cachot. Mais là, ça, est-ce que c'est doit le respecter ou bien violer? Et deuxièmement, l'eau arrêté le coup, pas dire qu'il fait que vous reprochez là. Et puis, il est en prison aujourd'hui. Est-ce que c'est doit le aider ou bien violer? Mais l'eau violé, on doit. Son trouble à l'ordre public qui est lié. Et c'est pas droit de dire, parce qu'il est déjà arrêté les gosses, on aurait les DGPNH, non? Ça, c'est un bail qui concerne tout citoyen. L'eau arrêté, la loi permet tout le monde qui fait, qui reproche son bail, la justice, dans les aliments de la peste, il a dit que vous soyez riche ou pauvre, les jugements des cours vous rendront noir ou blanc. Donc, la justice est une pour tous. Soit arrêté, mettre là, c'est pour dire, mais soit reproché, moi, pour me préparer défense, moi, pour me voir réponse, pour faire, yo. Ou parler de bagarre l'autre monde commet et pour arrêter même ou dire autorisation moi-même mais ça me dit il dit le juge Lumérin Dussel son juge qui est compétent et qui a expérience qui est honnête on pas mettre doute tout ça moi-même mettre en tant que humain il fait une erreur on irait le réparer déjà deuxièmement kembe la police kembe de la prison à dans condition qu'il arrête la pour pas pour pas le lever la plus compliquée instruction en amène juge là pour tension qu'elle crée, parce que la justice a besoin de sérénité. Et on vous dit que la justice ne vit pas de scandale, elle en meurt. Donc, si que ou qu'elle est en prison, tout émoi national ça, toute émotion nationale ça, dossier à vine, et qu'on y a dossier à gon tension là-dedans. Et me dit juge là, li mieux que ou baye DGA, mais le VDK ou que mandel là, que dossier en amène là,
et pour mettre sérénité dans le dossier, et déjà, tu aurais été sous compte de la justice, parce que déjà, il y a ça qui est les garanties de représentation. On juge des choses, c'est ça le besoin. L'article 80, troisième alinéa du Code des actions criminelles, dit que juge des choses a une autorité, provision légale, pour le bail, quel que soit le monde la poursuivre, la main levée des coups, dès que le monde ça présenté les garanties de représentation, à savoir, le monde a gagné un domicile fixe, lui connu, et puis le cabinet d'avocats établi, qui est capable de représenter le bail de la première instance. Et c'est ça fait le pas trop tard pour juger la réparer erreur. C'est ça qui arrive là, M. Balkini, bonne audition. Est-ce que vous même vous sentez ce par rapport à la réponse des juges à bail, jusqu'à ce que le juge est au niveau de la criminelle, ou bien avant de bien audition, juge là, c'est quoi que le bail de la criminelle? Là, c'est toi, là, c'est le moment qui. Monsieur Gervinho. Et ma petite une bredo n'importe qui c'est dernière question moi-même m'a pas la question des juges non mais c'est dernier bah m'a demandé moi-même parce que dans fin audition maintenant pas de bagaille du tout bagaille comme ça dans audition juge là pas de aucune bagaille comme ça pas de rien pour qui ouais avec ça pas de contradiction dans les points déjà non non déjà moi-même juge là est-ce que c'est en vertu de interrogatoire ça ou arrêter déjà. Quand il parlait devant comme témoin. Il dit non, jamais il pas ça. Et j'ai la son jusqu'à attendre là, monsieur que puis tu as l'attendre ou bien dans rediffusion l'émission elle va le suivre. Juge là dit moi non mais Pierre lui, il est tellement honnête avec ça, il dit mais c'était vrai. Mandat d'aide pour le bail là, les policiers au fin minute noter déjà. Pour le mandat dans mais. C'est le fin minute j'ai allongé mandat à Bali. Il m'a dit tout à fait, tout scellé dans le bureau. Non, oui, il m'a tout rédigé. Et le, ma, depuis que je suis rentré dans le bureau, j'ai moi-même plus que 25 ans, 20 ans dans la profession, j'ai des réflexes, je me connais. Depuis la première fois que j'ai parlé, j'ai bien cordial, j'ai dans les autres n'importe qui, accueilli des GA, rentré, chita, nous font parler. Après, l'audition a commencé. Cette fois-ci, il y a des agents dans la barrière, depuis que j'ai rentré, qui ont bâillé mine. Par contre, je vois mon habitude bon bien déjà, mais je vois tellement que moi j'ai pas compris. Donc, et qu'il y a une mauvaise mine, il dit ça va les aïe. Là, nous arrivons dans, je vais la sous-ordinateur la taper, je regarde mes mines, je vais mon petit bail de saline. Je vais me dire que ça passe là. Et question, yo, bon côté, je suis tellement énervé dans l'interrogatoire, alors on connaît déjà son monde généralement qui est calme. Il est toujours calme. Au moins, je n'ai pas d'instruction, pas d'expérience, je ne vais jamais parler facile. Tant que moi, pas nécessaire. Toi, tu as des fois, moi, tu es énervé pour continuer. Moi, je suis tout bagarre, la droite à gauche, etc. Je me dis, ah, la gueule est pas le gâteau. Même quand on essaie de voir une décision, mieux, une décision, c'est le garant des droits, même s'il t'a fâché, pour bah, quelques mondes d'affaires, quelques coups, il n'est pas privé d'en faire abus. Parce que, dès qu'on a une république, nous, l'état des droits, ou essayer de juger quand il y a un jour de la loi, pas de espoir. Parce que juge là, c'est le garant des droits fondamentaux. Tout, chaque fois, doit violer, l'État viole les droits, en particulier, ils devront juger où aller. Donc, si c'est juge là qui a violé les droits, moi-même, ça fait juste, ça m'a le garanti. M'estime que son erreur qu'il fait, qu'il est qu'à réparer, parce qu'il est dit en latin. Alors, un proverbe latin qui dit, que m'a dit en français, si l'erreur est humaine, la persistance dans l'erreur est diabolique. Parfait. Je veux dire comment vous déjà allez. C'est un niveau de santé de sa forme. Psychologiquement, c'est correct. Ok. Yemdal, ouais, déjà, pour te signer, pour te co-signer avec moi, une requête que nous avons déposée dans le jugement. L'été paraît, mais vous connaissez son policier lié, son mon ancien DG qui a dit qu'il est difficile, la PC est Kembe. Mais apparemment, il n'est pas en forme. Mais les mains de Mme Nitella, les mains de Mbala Avel, tension de varier hier soir, entre hier et matin. Tension normale, c'est 8, et c'est 12 par 8. Mais tension de varier de 14 par 10. Donc, moi, je dis, madame, non, bah, l'aspirine, fait contrôler le médicament d'habitude, pas, mais fait contrôler lui. Mais naturellement, ils vont varier à son attention, lui. Qui me bavent à l'âme personne, parce que. Son module hypertendu, non? Oui, il est hypertendu, mais il gagne, il fait cholestérol, tout. Donc, ça veut dire que, le choc là, il me dit, les juges là, essayer de traiter le dossier, et analyser, oui, qu'est-ce qu'on a levé, en tenant compte de ces aspects. Parce que je ne pas souhaiter, et pour la République, et pour juge-là, et pour famille, et pour nous, pour mal être arrivé, déjà, dans la condition qui est liée à Saint-Marc-là. Et je pense que juge-là, c'est pas faveur à demander, la République m'a dit ça. Il n'y a pas demandé pour le dire, déjà, pas impliqué dans rien, il n'y a pas ça à demander. S'il y a un élément à mener pour l'impliquer, pour parce que l'on juge à peinture, la peinture à charge et à décharge.
li pa gen le on juge pa gen dossier la tirer les dossiers de la République li pa gen état d'âme donc s'il li main levé a soit main levé la bay pour raison humanitaire que la loi autorise pour rétablir l'équilibre rompu dans l'état des droits et démocratique parce que droits fondamentaux de dignité humaine c'est au même qui au centre de tout système de tout état des droits et démocratique de vendredi à jeudi on parle à juge là qui ça dit on a qui nous voler par rapport à demain la juge là hier à 2h30 on est dans bureau et il était bon garanti que lui même il pas violé droit monde et que il est d'accord avec moi qu'il a fait erreur ballon petit temps pour le tendre directeur cabinet DGA parce que DGA a dit le directeur cabinet qui était de ce technique pour ta vérifier quelques éléments avec même bon garanti il pas dit il pas libérer tout de suite mais il dit il ballon il pas également mettre compter sur lui et nous était sorti très cordialement et avec espoir il me dépassait ouais déjà me défait pas me pas dans le bal euphorie de me pas libérer demain mais me défait pas que juge la prend en compte toute ça le temps de dans la presse dans les médias nationaux internationaux et ouais opinion publique là il ouais déjà son monde de bien qui en considération qui sont petits pays et que même s'il a gagné bail pour le reprocher pour traiter la dignité qui est l'appel du directeur cabinet bon son bagage il était de faire en jour et comme si hier faut le bail au minimum de délai raisonnable pour le travail directeur pour la c'est mort. Mais et, il a dit que je vais garder ça l'aime avec le juge là. Et jeudi c'est congé. Vendredi c'est congé aussi. Donc délai raisonnable, c'est seulement demain mercredi. Donc c'est ça que fait comme sorti là. Je ne pas là avec. Pour un bail, je ne compte pas faire. Je te promets, je ne pas là avec DGA, pour me parler avec IG Paul Thomas, qui c'est ancien directeur cabinet DGA, me parler avec pour te parler pour de disponibilité li. Mais et tu dis déjà me parler les juges là, pas bien aimé au juge là, me parler les juges là pour demander lui est-ce qu'elle capable en dérogation pour et même s'il t'a fixé audition pour un jour pour et, puisque chef cabinet est disponible, il t'a venu devant lui, on ne peut le vle avant avant aucun la Toussaint pour t'a attendre lui pour t'a faciliter la tâche mais ça il ne pas lié l'autre et juge n'a pas besoin d'attendre chef cabinet pour le bail main levée parce que main levée a pas aucune influence sur enquête là a continué et ça qui est important pour le juge là c'est garantie de représentation yo garantie de représentation yo là c'est DGA lui-même en tant que dans domicile citoyen qui le représente là il était toujours en franche collaboration avec le juge là dans deux fois on invité lui par exemple deuxième invitation qui nous venir deuxièmement il gagne domicile fixe personnel connu troisièmement il gagne cabinet d'avocat qui connu qui établi à Port-au-Prince au numéro 122 avenue Martin Luther King qui représenté par la personne de M. Jean-Eugène Pierre votre serviteur donc j'ai la gagne assez d'éléments de représentation garantie de représentation à mener pour le bail main levé et moi crois que la République a reconnaissant envers lui il y a rendu compte il pas de volonté systématique pour humilier et violer droit DGA, mais qui simplement fait une erreur qu'il réparait. Voilà, maintenant j'aime bien lui, je suis content parce qu'on a fait un exercice avec nous au matin hein, et qui a aidé à comprendre qui ça dossier a yé, à quel niveau le dossier a avancé et qui ça ou pas de comprendre, il a demandé de comprendre par rapport avec un dossier qui permet de juge numéro 1 arrêté, ancien DGPN national Gosson Aurélius. Et merci à tous, par contre, c'est bon élément qui s'est ajouté. Élément que j'ai ajouté, moi je voulais que tout que juge la République qui agit pour tout citoyen haïtien ou prendre confiance dans la justice. Pour juger, je viens plus respect. Plus respect à venir, c'est là qu'il y a exercé autorité dans le respect droit, monde, dignité, monde au service de la République. Et me confiant, juge Lumière Dunel prend la mesure raisonnable et de droit pour calmer la République, pour le travail en toute sérénité. Voilà, notre invité ce matin, Maître Eugène Kelly, avocat de l'ancien directeur général de la PNH Gosson Aurélius, qui est en prison Saint-Marc, suite à audition le vendredi dernier, et là, il juge Lumière, qui a instruit le dossier qui est avec notre examen en 21 septembre 2016, l'arme légale. La continuation sur le dossier, et que certainement, si le faut pour nous mettre lui, on fera encore ce plateau, la bien apprécié pour lui donner toute la précision autour du dossier ça. Merci en pile, tout avec nous dans la matinée, là, parce que tout passé, il y a une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. Adieu.